Bonjour à tous, donc dans ce petit tuto je vais vous montrer comment insérer une bande son en continu dans une leçon Moodle qui intègre un fichier Geniali en HTML, car les Geniali on ne peut pas mettre de fond sonore dans les Geniali. Donc une astuce c'est d'utiliser le code HTML pour pouvoir l'intégrer dans cette même présentation comme vous l'avez actuellement à l'écran. Alors pour ce faire, vous devez impérativement aller dans vos fichiers privés, je vais mettre l'interface en français, ce sera plus facile pour tout le monde, voilà. Donc il faut télécharger au préalable dans l'interface Moodle le fichier que l'on veut utiliser. Dans ce cas-là, c'est un fichier au format MP3, ça peut être aussi un fichier au format WAV. Donc une fois que nous avons fait ça, nous allons dans la portion de cours qui nous intéresse. Ici, c'est la formation théorique du PN1. Voilà. Et nous allons intégrer ce son dans cette leçon. Pour cela, nous allons la modifier. Voilà, le son est déjà intégré, donc nous allons l'éditer. Voilà. Donc nous allons l'éditer. Donc là, le fichier est déjà intégré. Nous allons refaire l'opération. Donc on voit qu'il s'agit d'utiliser une balise audio dans laquelle nous allons spécifier la présence des contrôles, la source du fichier, donc ça le fichier qui est directement sur le serveur PHP de Moodle, en lui spécifiant le type, en lui spécifiant que l'on veut qu'il soit directement lu à l'ouverture de la leçon et en mode bouclé. Là vous avez la variable introduit Moodle qu'il faut absolument respécifier. D'accord? Alors comment on va faire? Je supprime le fichier. Voilà. Je vais mettre à jour. Notre fichier a disparu. Voilà. Donc procédons. Nous allons modifier la leçon. Donc après avoir introduit en format HTML donc le Geniali, nous allons intégrer pour savoir où Moodle a placé le fichier. Insérer un média Moodle. Dans ces cas-là, il s'agit du fichier que nous avons préalablement sauvegardé. Voilà. Bon. Lui, il garde en mémoire, parce qu'il avait la variable du fichier, il le garde en mémoire, donc c'est pour ça qu'il me demande de l'écraser. Mais quand vous le faites une première fois, il ne vous le demande pas. Donc nous insérons donc le fichier, on voit apparaître la variable, ici le %20 c'est le caractère, l'espace, c'est le caractère alphanumérique. Nous allons passer en mode HTML pour voir le code. Donc on voit que Moodle utilise ici
ce type de balise pour mettre en place le son. Donc on voit la variable ici. Et donc ce que nous allons faire nous, c'est remplacer ce code par la balise audio. Donc je sélectionne. Alors je vais faire réapparaître la portion de code antérieure. Voilà. Donc là vous voyez, pour bien séparer, on a ce que Moodle, le fichier média Moodle qui se trouve ici. Et nous avons ce que nous voulons obtenir ici, avec donc ici l'adresse du fichier audio. Alors vous voyez que PHP ici adresse d'une manière différente le fichier. Donc il faut absolument récupérer cette adresse pour que ça puisse fonctionner. Donc nous allons copier-coller. Voilà. Ensuite, il suffit de supprimer ce qui est en trop, c'est-à-dire la portion de code du média de Moodle. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, nous avons intégré la balise audio avec le fichier correspondant qui va être disponible pour sa lecture. Nous mettons donc à jour le fichier. Voilà. Donc il y a eu lecture correcte, on voit apparaître le lecteur HTML, lecteur audio. On peut le mettre en place, on peut le lire directement. Donc on voit que la lecture se fait correctement. Maintenant nous allons sauvegarder la page. Voilà. Donc maintenant, dans notre leçon Moodle, nous avons notre Geniali avec un fond sonore. Avec le fond sonore qui était désiré. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto va vous servir et puis va pouvoir vous aider à combiner le Geniali qui est vraiment très bien et donc vos fonds sonores. Merci.